Eh bien, bonjour à tous. Donc, on va revenir sur Fermus et on va continuer nos petits trajets tranquillement. Hein. Donc, démarrer. Hop. Donc, la dernière fois, on avait fait Nice-Grenoble. Donc, on va faire Grenoble et on va aller ailleurs. Hop. OK. Alors, nouveau. Alors, on va faire Grenoble. On va faire Grenoble-Lyon. Allez. Grenoble. Lyon, dans un premier temps. Hop, retour sauvegarder. Et la prochaine fois, on fera. Ah! Nouveau. Ah, qu'est-ce que j'ai fait? Nouveau. Ah. Ah. Grenoble. Lyon. Retour. Sauvegarder. Voilà. Et la prochaine fois, on fera Lyon-Dijon. Et après, on ira sur Reims. Reims, Paris et ainsi de suite. Et comme je vous ai dit dans les vidéos d'avant, donc Reims, Paris, Paris, Rennes, Rennes, Brest. Donc, retour. Hop, on part comme ça. Non, réaliste. Réaliste et. On va partir sur un VDL. Ça change un peu. Par contre, personnalisé. Tiens, on va partir avec ça. Ça va être sympa, ça a changé. Hop. Black, allez. On met les roues en black, ça ira bien. Retour. Donc réaliste de les heures, on s'en fout, on reste comme ça. La météo, on reste comme ça. C'est parti, mon kiki. Allez, en route. Kick, kick, kick. Alors, attendez, parce que j'ai. Voilà. Je sais même pas si j'ai mis le volant en route pour. Alors, on est parti. Donc là, on fait Grenoble, Dijon. Pourquoi je peux plus. Ah. Hop, voilà. On va le mettre à chauffer tranquillement. Le temps qu'on mette tout ça en route. Voilà. Hop. 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 Frein à main, on l'enlève. On met la clim. C'est bon, voilà. Matin degrés, c'est bon. Les essuie-glaces, c'est bon. Les phares, c'est tout ça, c'est bon pour le moment. Voilà. Donc, ouais, c'est bon. Le volant est pris en compte. Je l'ai bien mis en route. Allez, on est parti.
Juste en vitesse de manœuvre, ça allait pas. Allez. Par contre, il y a un truc à faire. Hein. Ah. Il y a quelque chose à faire. Pourquoi il est en bleu? Pourquoi il est en bleu? Alors. Par contre, je comprends pas pourquoi il le met en noir comme ça et bleu. Et regardez, quand je descends, c'est quoi? Pourquoi c'est en bleu, c'est pas en orange maintenant? Et si je fais ça, alors en haut, je peux. Route. Ah ouais, ça va pas changer, hein. Annule. C'est bizarre. Alors de quel côté faut que j'aille moi? Voilà. Mais... Il est con le flic ou quoi là? Aïe. J'ai mis le la direction, non? Je me rappelle pas si je l'ai mis. Ouais, c'est bon. Ah non, on n'est pas en direction de Dijon, on est en direction de Lyon. Excusez-moi. C'est Grenoble-Lyon qu'on va faire. Allez, on va aller chercher nos passagers là dans 8 km, hein. Et après direction Lyon, parce que je m'appelle Léon, que j'ai un beau camion et je m'en vais à Lyon.
Salut Stéphane, comment tu vas? Ouais, ça va, tranquillou, tu vois, reparti pour un petit trajet tranquille. Hop, voilà, allez, donc, hop. Bonjour, messieurs, dames. Attendez, je vous ouvre les soutes. C'est bon, vous avez mis les bagages? Voilà, allez. Bonjour, petite Tag, dame. fahren Sie in meine Richtung? Cool. Tag, sehr freundlich. Salut, auf geht's. Moin, sehr freundlich. Hallo, cool. Grüezi. Können Sie das rückgängig machen? Ich muss ja ganz woanders hin. Pourtant, il était marqué Lyon, Moin, lui. sehr freundlich. Moin, cool. Lyon, Lyon. Petite dame. Salut. Et vous, les amoureux, excusez-moi, mesdames. Je crois que c'est un monsieur. Je crois que c'est un monsieur. Hop, allez. Ça, c'est bon, ça, c'est bon. D'accord, ça marche pas ça. Allez, on me l'annonce. Eh bien, pourquoi ça? Pourquoi je peux pas mettre l'annonce? Ok. Je comprends pas trop là. Ça marche. Apparemment, dans ce bus-là, il n'y a pas d'annonce. Ok. Par contre, il y a le guide. Bon, on va mettre le guide alors. Voilà. Le guide touristique qui devrait être assis là, mais qui est pas là, hein. Hop, hop, hop. C'est bon, on peut partir. Si je crois qu'il faut que tu l'actives et que tu vas plus dans le fond du bus, tu l'entends. Non, non, mais je peux pas l'activer. Il ne s'active pas, regarde. Regarde. Je ne peux pas l'activer, regarde. Il se met pas. Là, je peux pas l'activer, il veut pas. C'est comme là. Si je veux lever le bus, il ne veut pas non plus. Ni le baisser. Alors, il y a des trucs qui fonctionnent. Ça fonctionne, tu vois, regarde. Là, c'est activé. Ah, peut-être. Et là, donc ça, c'est l'écran. L'écran qui est là, il est activé. Il n'y a pas de souci. Mais l'annonce, je ne peux pas l'activer. Ça, si je fais ça, il n'y aura plus d'écran là. Tu vois, il est éteint. Il s'active pas, l'annonce ne s'active pas. Non, non, tu vois, je peux pas l'activer. C'est pas grave, allez, on n'aura pas d'annonce, puis c'est tout. Oh là, je m'en fous, moi. Allez, recule en marche arrière. C'est un nouveau bug car j'avais déjà utilisé ce bus et avant ça fonctionnait. Ben ça c'est je crois que c'est un VDL que j'ai pris. Ouais, bon, ben écoute, c'est pas grave, c'est pas méchant, c'est pas grave. Mais peut-être que le bus n'est pas équipé pour avoir les annonces, hein. C'est possible aussi, hein. Dis donc, la barrière, elle est traite là parce que je l'avais pas vue. J'ai pas forcé le passage, non, 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 non.
Allez, on est parti, direction Lyon. On va voir si on voit Léon. Là, c'est pareil, regarde. Là, il y a un truc qui est bizarre, c'est que là, le menu, il est bleu maintenant. Alors, est-ce qu'il y a une mise à jour dans la nuit? Possible aussi, hein, ouais. C'est bizarre, hein, parce qu'avant, c'est orange que ça se met. Orange et blanc, et là, il est noir, celui-là. Je sais pas. Bizarre. Bizarre, bizarre. Vous avez dit bizarre, comme c'est bizarre. Peut-être le bus qui est buggé, hein. On verra la prochaine fois quand on prendra un autre bus. Direction Lyon. À droite, la première sortie de rond-point, on prend direction Lyon. Direction Lyon. Allez, on va suivre les panneaux, on va pas suivre le GPS. Lyon. À droite. Prochaine sortie, direction Clermont-Ferrand, Dijon. Direction Lyon. On va faire à l'ancienne, on va lire les panneaux. C'est vrai qu'on peut pas couper le GPS. Ah, mais si, je peux le couper, attendez. Comme je vois pas l'autre. Attendez, on va faire un truc. Carré. Hop là! Ah oui, mais attends, 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 attends! Stop, 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 stop! Mais oui! Ouais! Ah, mais ça, c'est ballot! J'étais parti dans le menu. Et quand vous êtes dans le menu, vous ne pouvez plus contrôler le bus. Bon, allez, à l'ancienne, on va lire les panneaux. Sans GPS. On va voir si j'ai le centre de l'orientation. Donc, on va à Lyon, nous, hein. Hein, comme ça, on a coupé la grenasse qui parle toute seule là. Hein, GPS, c'est ça que ça veut dire. Grenasse qui parle toute seule. On l'a coupé. Comme ça, je l'entends plus. Je ferai ce que je veux. Ouais, toi, tu as pas commencé. Hein, avec ta Golf. Parce que ta Golf, je vais en faire une voiture sans permis, moi. Oh là, c'est quoi ce freeze? Ah, c'est la sauvegarde. Il s'y fait avoir l'autre avec sa Golf. Couillonné par le camion, oui. Il a accéléré pendant que je le doublais, il s'est fait avoir. Ah, il a voulu faire son kéké avec sa Golf et. Qu'est-ce que tu fais? T'avances, tu fais quoi toi? Tu doubles pas? Allez, j'y vais moi. Je m'enquille. On va voir si j'arrive à destination sans le GPS. Comme dans le temps.
Mais dans le tour, on avait une carte routière. Oh, putain de merde. Oh, putain. Ah, mais ils ont encore fait pipi dans leur pantalon, les... Ils ont fait pipi dans le pantalon encore. Hé, hey, il y a les toilettes au fond du bus. Allez dedans. Nom d'un chien. Oh là là, ils ont fait pipi dans le pantalon. Oh là là là. Alors, Lyon. Oh, oh, oh. Lyon, tout droit. Allez, on va direction Lyon. Allez, on va essayer de se concentrer un petit peu, là. Trêve de conneries. Allez, le régulateur de vitesse. C'est marrant que quand on change de surface de goudron, le son change. On l'entend dans les roues. C'est bien ça, ce qu'ils ont fait, parce que ça, par contre, c'est vrai que... Moi, ça m'est arrivé, là, je sais pas si vous connaissez, du côté de l'autoroute à... Il y avait une autoroute qui était comme ça, du côté de Paris, je sais plus où c'était. C'est pas Vierzon. Ah, peut-être Vierzon. Qu'un coup il y a du goudron noir et après c'est des plaques de béton, je sais pas trop quoi. Je crois que c'est du côté de Vierzon, si je me trompe, dites-le moi. Mais ça, le son change. Et même à un moment sur l'autoroute autour de Paris, il y en a un qui est comme ça. Un coup c'est goudron, un coup c'est plaque, un coup goudron. Et le son change de la bande de roulement. Par rapport au bruit des pneus, ça change. Et franchement, ils ont réussi à représenter ça, c'est pas mal. Vous allez voir, quand on repassera sur du goudron noir, le son va changer encore. Il y a une 4 bandes là. Waouh. Alors moi, je vais direction Lyon. Lyon. Direction Lyon. Allez, sans GPS. Hein. Pour l'instant, on est bien. On est bon. Alors là, Lyon à droite. Je suis pas arrêté à la bonne borne, c'est dommage. On fera une situation dans la prochaine vidéo. Je m'arrêterai à la bonne borne, je ferai la simulation de prendre le ticket.
Et pour payer pareil, on fera pareil, on fera une sorte de simulation un petit peu plus poussée, plutôt que de la conduite. Et on partira avec ce bus-là. Comme ça, on coupera encore le GPS et on fera la route sans GPS. Alors, direction Lyon. Comme il n'y a pas de panneau, je continue tout droit, moi. Voilà. J'espère qu'ils ont bien mis tous les panneaux, hein, les développeurs. Ce serait un peu cucu qu'ils ne mettent pas tous les panneaux si je roule sans le GPS. Eh bien, on est à Lyon. Regardez, on est arrivé à destination. Ah, par contre, la gare routière avait trop. Ça va être plus dur à trouver, par contre. Bah, on va regarder sur les panneaux si on voit marquer gare routière. Hein. Si c'est marqué gare routière, on suit. Parce que je ne suis pas du tout allé, hein, la gare routière. De toute façon, il faut aller direction centre-ville, hein. Il n'y a pas à tortiller. Là, si je tourne à gauche, je sors de centre-ville, ouais, voilà. Je sors de Lyon, donc non, on continue. Alors, on cherche la gare routière, s'il vous plaît, monsieur. Si je vois un piéton, je lui demanderai, mais bon, comme il y a beaucoup de piétons, ça va être dur de demander sa route. Alors, gare routière. Je cherche la gare routière, s'il vous plaît. Après, ouais, là, faut vraiment. Je pense que je suis en train de faire une boulette parce que là, faut vraiment, vraiment connaître. Et là, j'ai pas de guide, alors est-ce qu'il faudrait pas que je tourne là? Parce que là, je vois un panneau là-bas, mais je vois pas ce qui est marqué dessus. On va voir. On va essayer d'avancer un petit peu en ligne droite pour l'instant. Ah ouais, il veut que je tourne là. Centre-ville. Eh ben écoutez, hein. On va le faire. Gare. Ah ben voilà, c'est par là, la gare. Donc s'il y a la gare, généralement la gare SNCF et la gare routière sont côte à côte. Hein. Donc on va peut-être le trouver. C'est vrai que c'est pas réglo ce que j'ai fait, mais bon, voilà. Alors, en même temps, je suis sans GPS. Bus. Non, c'est pas là, mon arrêt n'est pas là. Tout à l'heure, je vais me retrouver une interdiction à plus de 3 tonnes 5, tu vois. Je vais être bien, moi. Je vais être bien avec mon bus. Ou me retrouver comme dans Taxi Lab, dans les petites rues de Barcelone. Dans le vieux Barcelone, avec mon bus. Alors, qu'est-ce qu'il y a écrit là? Centre-ville. Ah, gare, par là. Donc, on va par là. Je sais pas si c'est bien, mais on y va. Donc, normalement, on devrait voir d'autres bus. Ah, il est là, regardez. Franchement, avouez. Hein? Je gère, hein? Bon, à part le feu rouge, oui. Je reconnais que le feu rouge.
J'ai pas géré. J'étais pas à ma place. Bah oui, mais bon, je connaissais pas la route non plus, hein. Je connais pas la ville. Da kann sich die Bahn echt mal ein Beispiel nehmen. Eh ouais. Hey. Je suis plus rapide de même sans GPS, je suis plus rapide que le train. Pouf. Allez, on va descendre les passagers. Hop. Ah oui. Hey. Chef, on a oublié quelque chose. On a oublié quelque chose. Voilà, donc un bon petit trajet, bien marrant, sans GPS. On est arrivé jusqu'ici. Donc voilà. Donc là, on va s'arrêter là pour le moment. Je reviendrai dans un... Continue une petite demi-heure, une bonne demi-heure. Parce que faut que j'aille faire 2-3 courses. Et puis on repartira donc la prochaine fois. Enfin, dans une demi-heure. Ils ont bien changé la couleur parce que ça c'était orange avant. Ils ont changé la couleur. Voilà, c'était comme ça. Voilà, c'est la couleur, c'est ça, orange et vert. Et on partira la prochaine fois de Lyon pour aller à Dijon. On fera Lyon-Dijon. Donc à peu près une demi-heure. Je vous dis dans une demi-heure à peu près. Et donc on partira. Au départ, pour sortir de l'entrepôt pour aller jusqu'à la gare routière, on ira avec le GPS. Et après, on essaiera de la gare routière jusqu'à Dijon sans le GPS. On essaiera d'y aller avec les panneaux. Suivre les panneaux pour attraper l'autoroute, tout ça, on suivra les panneaux. En espérant qu'on ne se trompe pas de sens. Et qu'on parte dans le bon sens, qu'on parte pas en direction de Marseille. Ça va être quelque chose, hein, à mon avis. Je vous invite donc à revenir dans une demi-heure, trois quarts d'heure. Et le temps que je fasse mes 2-3 courses. Et une fois que j'ai fait mes 2-3 courses, je reviens et on se met là-dessus. Allez, je vous dis à bientôt. Allez, ciao, ciao.